près de 15 000 participants ont pris le départ, hier, des épreuves de Touraine-Cours. La météo incertaine n'a pas gâché la fête. La foule était au rendez-vous, y compris l'après-midi pour le 5 km et le match international. Consultez les résultats complets points en l'espace d'un week-end, un passage brutal de l'été à l'automne. Samedi, la 37e édition de Touraine-Cours a débuté avec une météo estivale. La marche féminine de la Colombia a rassemblé 5 000 participants sous un franc soleil, et avec un thermomètre au plus haut, autour de 26 degrés C. Dimanche, le ciel était radicalement différent. Plus frais, à peine 16 degrés C, et encombré de lourds nuages gris. De quoi donner des sueurs froides aux organisateurs, qui craignaient de grosses averses. Finalement, le ciel n'a pas douché l'enthousiasme des coureurs. Une pluie modérée, des courses disputées point les deux épreuves reines du matin, le 10 km CNB et les Tour Ouest de France, sur plus de 20 km, se sont disputées sur un sol sec. La pluie n'a fait son apparition que vers 12h30, mais en restant modérée. Sur le 10 km, Yacoub Delhoum s'est imposé en 30,57 chez les hommes et Margot Le Mouton en 36,10 chez les femmes. Le Britannique Christophe Lawrence Ford et la Rennaise Anne-Sophie Le Scopmeyer se sont adjugés le SMI West France. Sur le match international, Jimmy Gressier et Mehdi Frère ont survolé la course, avec une meilleure perf européenne de l'année à la clé.